one thing I really like about day three is there's not all that music that you have to dance to on the stage before you talk. So, as we're getting more people who are coming to sit, I was just thinking this morning, I was on my way here, and I took the exact same route, except I was across the street. And so it took me completely in the wrong direction. And because I'm from New York, everything's on a grid. And suddenly I was kind of like lost. Là-bas. Et je me sentais perdu. Et j'étais en train de me demander quelle direction prendre. Alors que j'étais perdu, j'étais en train d'observer tout ce qui se passait là dans la ville de Paris. Et c'était intéressant ce moment où je me demandais où j'étais. Tout à coup, je me suis rendu compte qu'il fallait juste que je traverse la rue. Et ça m'a vraiment donné l'impression que c'était quelque chose d'analogue à notre situation actuelle. Nous ne sommes pas où nous allons. Et on sait juste que le monde est en train de changer. On sait que l'avenir est plein de projets, mais on ne sait pas exactement comment cela va se dérouler. Et donc, on se sent un petit peu perdu. Et c'est aussi le but et le titre de cette édition, troisième édition du We Share. Et ce dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui, c'est vous parler de cette nouvelle main-d'œuvre qui se dessine doucement devant nous. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir les visuels? Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 53 000 Américains qui travaillent en indépendant. Nous allons parler un peu plus tard du fait que nous sommes tous, chacun depuis nos pays, frustrés de voir à quel point nous sommes une main-d'œuvre, une force de travail importante, et que pourtant nos gouvernements, en général, n'ont aucune reconnaissance de notre réalité. En général, il y a toujours une information qui ne reflète pas la réalité dans ce qui est donné par les chiffres du gouvernement. Alors, je voudrais avoir le prochain visuel, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors, ce qui est significatif ici, c'est que nous sommes bien sûr plus importants que 53 millions, mais il y a d'autres choses. 43% sont des indépendants, mais 27% sont des moonlighters. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ce qui est en train de se dérouler. Ils sont en train d'accumuler plusieurs travaux en même temps. Certains travaillent à temps complet, mais ils ont aussi un extra job le soir ou le week-end parfois. Ils organisent des événements en dehors. Et pour moi, c'est très révélateur d'une situation tout à fait complexe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'agencement de leur vie est en train de changer. Alors, on peut passer au prochain visuel. Voilà. Quand je parlais des moonlighters, il y a quelques instants, je parlais de ceux qui travaillent au noir. Donc, comme je le disais, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les acteurs dans notre monde. Nous pouvons incorporer ça dans une sorte d'écosystème. Il faut voir qu'il y a des investisseurs, des entrepreneurs, des consommateurs. Est-ce que ces termes-là sont familiers à vos oreilles? Ce qu'on peut voir, c'est que sur la Terre, il y a aussi deux générations à venir. On parle toujours de deux générations à venir, parce qu'on parle toujours de la base des natifs américains qui parlent à sept générations en avant. Et enfin,
nos travailleurs. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions qui ont eu lieu ici et on sent qu'il y a une intuition qui est en train de se développer, les langues se délient dans les conversations et on voit se dessiner peu à peu des choses différemment. Mais si on ferme les yeux pour un instant et on réfléchit deux secondes, prenons, respirons. On peut se demander qui sont les investisseurs. Parfois, ils s'occupent de l'argent de quelqu'un d'autre. Et l'argent de ces personnes-là appelle à un retour sur investissement relativement important. Puisque c'est comme pour vous, dans vos retraites, vous voulez avoir le fruit de votre carrière, du travail de votre carrière. Eh bien, moi, je suis dans le même cas. Je suis parfois inquiète à un niveau social. Mais nous le sommes tous en tant qu'entrepreneurs. Bien sûr, on veut que nos projets se déroulent bien et soient couronnés de succès. Ce qui veut dire que parfois, il faut dire non à certaines choses. Parfois, on est inquiet de la compétition. Nous cherchons des partenariats. Mais si on revient à des choses plus élémentaires, à la Terre, par exemple, comment, en quels termes réfléchissons-nous à cela? Nous sommes là juste pour un moment sur cette terre, nous avons des enfants qui ensuite ont des enfants eux-mêmes. Et nous avons besoin de savoir ce que nous laissons derrière nous. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout cela concerne le travail. Nous pourrions ici établir un grand tableau et demander à chacun de s'asseoir dans la zone où il s'identifie, dans la zone de travail, et on verrait bien qui est privilégié. Je ne dis pas, nous avons une discussion intéressante là-dessus avec un ami, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train de mettre en place nos plateformes d'économie de partage et on attend de cela une croissance. Il y a plein d'angles pour observer comment ça peut se dérouler. On essaye de voir quels sont les produits les plus bénéfiques à mettre sur le marché. Il n'y a pas de problème avec cela, mais ce que je veux dire, c'est que les investisseurs sont ceux qui ont de l'argent et nous n'en sommes encore qu'au début du processus. La seule manière pour moi d'évaluer ce qui va se passer, c'est d'évaluer ce qui va se passer avec le changement climatique. Ce sera analysé, évalué, et je pense qu'on peut faire partie. On peut participer à cela. Il y aura des conséquences si on s'implique là-dedans. On s'apercevra qu'il y aura des manières dont on ne pourra plus utiliser pour établir nos entreprises. Mais je suis sûre qu'il sera possible d'avoir des cadres autour de ce cercle. Je devrais d'ailleurs recadrer un peu mon propos. Je souhaiterais maintenant commencer à parler des travailleurs. Une des choses les plus importantes, c'est que si nous souhaitons imaginer un monde, et encore une fois, je parle d'une expérimentation, d'une expérience, nous devrions essayer de sortir de nos cadres habituels. Parce que si je vous dis, par exemple, que si chacun des travailleurs sera payé $1 million pour leur travail, imaginons que l'on répartit cet argent et que chacun obtient cette somme. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura peut-être des constructions, mais ce qui commencerait à se passer, c'est qu'on commencerait à réfléchir à la manière dont nous pourrions inventer un certain nombre de postes de travail. Lorsque l'on réfléchit à cela, on peut réfléchir assez évidemment à toutes les devises que nous possédons. On pourrait commencer à parler d'union et réfléchir, essayer de voir quel type d'entreprise n'est pas capable de générer ce genre de chiffres. Mais vous savez, j'y ai beaucoup réfléchi à la question.
Et j'essaie toujours de définir véritablement les motifs, les thématiques qui se dégagent de ces conversations. Excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble important de... Si par exemple, on commence à parler de ces 53 000 travailleurs, si on reste dans ce cadre, qu'est-ce qui va se passer avec ces 53 000 employés? Entre 85 et 88 continueront à travailler. Ils souhaitent continuer à travailler de cette manière-là et ils ne souhaitent pas revenir en arrière. Alors, tandis que ils disent en même temps être très angoissés de l'avenir. Aux États-Unis, nous avons 300 000 personnes avec des structures de santé établies pour ce type de travail, qui comprend des médecines parallèles, alternatives comme le yoga, la méditation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai travaillé dans une assurance et s'il y a une chose que l'on sait, c'est que la santé des indépendants est quelque chose de critique et que beaucoup vivent dans une angoisse permanente. Donc, je pense que c'est intéressant de se rendre compte que l'angoisse habite la majorité, n'habite pas la majorité des indépendants. Ce que nous avons pu observer, c'est dans chaque pays où nous sommes allés, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, nous sommes le pays qui a où il y a peu de protection après la guerre mondiale. La majorité des pays avaient de fortes protections sociales. Il était possible d'aller faire des études. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que les gens se rendent compte qu'ils n'auront pas, ils ne seront pas propriétaires de leur logement, ils n'auront pas de retraite. Et mais ils sont libres, et ça, c'est la grande différence qui est faite, parce que cette liberté apporte une satisfaction. Bien sûr, ils souhaitent passer plus de temps avec les gens qui leur sont chers, explorer leur domaine de prédilection, leur passion. Et je sais, par exemple, que j'aurais probablement, en ayant deux jobs à temps partiel, que je ne pourrais pas être propriétaire de ma maison. Mais ce qui me semble important, c'est que nous sommes en train de traverser cette phase de changement. Et nous pouvons voir que les travailleurs du monde sont en grève. Ils ne souhaitent plus jouer avec les anciennes règles du jeu. Ils n'ont plus envie de vivre dans cette angoisse permanente. Ils ont envie de se libérer de cela. Et quand on pense à l'avenir, eh bien, ça se résume à cela. La première voie, le futur proche, le dernier proche, où on essaierait d'établir des espaces de coworking, de meilleures conditions de travail, qui essaieraient de réduire les fossés entre ces moments de non-travail entre deux missions. Et ce qu'ils font, par exemple, c'est qu'il est permis à ces personnes grâce à ces structures, de rassembler des personnes qui sont dans la même situation. Et pour moi, c'est quelque chose qui transforme la réalité. Cela donne une vision différente de l'économie à venir. Parce que nous nous rendons bien compte que le gouvernement ne pourra pas donner des subsides ad vitam aeternam. Tout doit venir d'entreprises et d'investisseurs. Il est important de voir comment les capitaux restent au sein des communautés
et de voir comment les nouveaux types de plateformes engloberont ces nouveaux modes de travail. Nous aimons y penser en termes de mutualisme. Nous sommes connectés les uns avec les autres sur une base de solidarité. Il y a deux composantes. La première, c'est la spirituelle, nous voir comme faisant partie de quelque chose de plus grand que nous. Et le deuxième est l'interconnexion économique. Nous interagissons ensemble et cela affecte l'économie. Nous avons également besoin de prendre plus en considération la Terre en tant que travailleur, de travailleuse. Il me semble important de penser que chaque partie du cercle a un rôle à jouer, mais personne n'est encore capable de définir les cadres. Il faut redéfinir tout cela. Nous avons besoin de nouvelles structures de capitaux, puisque l'objectif final est d'obtenir un monde qui soit meilleur pour nous, pour nos enfants, pour les futures générations. Thank you so much. Merci beaucoup.